Duke King Julius style. Salutations les murs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre 24e épisode sur Tchernobylite. Nous sommes toujours perdus dans notre petit bunker. Je me suis rendu compte que tous mes petits DLC n'étaient pas activés, donc je l'ai fait. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Il y avait un. Des skins pour Pâques, pour un mode Halloween horreur ou je sais pas quoi. Bah d'ailleurs, c'est là, hein. On voit les petites citrouilles qui sont en dessous. Elles se sont posées ici, donc j'ai ça là qui traîne dans le coin. À côté c'est juste un sac. Ah, derrière j'ai une tête de citrouille aussi ici. Ah j'ai un skin d'arme pour le... Ah, pour le couteau et d'autres trucs. Je sais pas si... Pour mon pistolet là j'ai un petit skin ou quoi. Ah putain ça a l'air mais on voit pas très bien. Pour la K. Elle est toute dorée. Et je sais pas ce qu'elle a d'autre. Ah ça aussi c'est un... Ah, regardez. Ah je sais pas si j'ai d'autres armes. Ouais le fusil à pompe. Ah, c'est dommage qu'il n'y ait pas la possibilité de regarder ses armes. Ah, j'allume juste ma loupiote mais bon c'est pas grave. Ah qu'est-ce que j'ai d'autre comme arme? Ah, j'ai celle-ci. Et je vais l'équiper pour voir. Ok c'est notre petit snipe. Ouais, les skins sont pas tip top. Je sais pas si pour les. Ah, pour différentes armes et tout machin, c'est le même skin. Je sais pas si. Ouais, ça, je sais pas si ça, mon skin, ils l'ont changé. Et ça, ça a pas de skin non plus. Ah, donc bah écoutez, c'est fait, on a fait un peu le tour. Voilà, un petit peu pour ça. Je sais pas s'il y aura d'autres trucs qui seront visibles. Dans notre petit bunker. Là, ça paraît d'être le cas. Alors qu'est-ce que j'ai sur moi? J'ai du carburant, je vais peut-être le déposer. On va essayer de reprendre le chemin de la ville et tout pour essayer d'explorer un petit peu et voir les petites missions qui nous attendent. J'y vais déjà me décharger légèrement. Voilà, merci bien. C'est tout ce que j'avais à déposer, on est d'accord. Ça c'est des balles de liquide. Ok, c'est pour celui-ci. Ça, c'est ses charges. Alors, je peux peut-être en mettre une autre de l'autre côté. Ça me prend un peu de place en bas. J'ai un fusil à pompe. Je vais peut-être le déposer. On verra pour améliorer nos armes. Et peut-être après enfiler à nos chers compatriotes. Sachant que j'ai pas mal d'AK. Et au pire des cas, si même une AK toute stuffée, ça convient à personne, bah je les, je vais les démanteler. Hein. Donc je pense que là, il va falloir que j'y faire dodo. Ouais, je peux assigner à rien du tout. Bon, par contre, c'est sympa, toutes les petites citrouilles. Mais malheureusement, il n'y a rien d'autre. Et pour pouvoir lancer notre quête finale, il nous manquera encore un larron. Donc, on sait que c'est Tarakan. Nous, on va faire un petit dodo. Je sais pas quand est-ce qu'on va pouvoir le voir. Et dans ma petite chambre aussi, ils m'ont mis des petites citrouilles. Il y en a une aussi ici. Et puis, voilà. Au pire des cas, si j'ai plusieurs packs de skins... Pour toutes les armes, j'essaierai de voir celui qui est le plus sympathique et je désactiverai les autres. Ok, nous voici debout. Alors pour en revenir aux sujets principaux, ce qui serait peut-être bien, c'est que nos rapports avec Olga ne se détériorent pas plus, puisque vu qu'on a libéré le môme la dernière fois. We need to talk. Putain merde. Sure. Let's talk. En parlant du loup. It's about my mother. Rather about what she found. I didn't tell you this before, because I didn't know if I could trust you. I think I know why they took my mom. She was dangerous to NAR. It wasn't a coincidence, she saw something, even took a photo. You see, when NAR first came here, they pretended to be friendly. They offered free examinations to several San Michels, and even promised my mother medical assistance. It was all a ruse, of course. My mother was invited to their lab, and she ended up seeing something she wasn't supposed to. Interrogé sur le laboratoire. Do you still sur la have photo, the photo? Peut-être avoir. No, my mom always kept it on her. Ok. Se renseigner sur l'existence d'autres preuves. La laisser poursuivre. She was inside their lab. You should have told me about this sooner. Do you know what she saw? They were running experiments with Chernobyl light on human subjects, all volunteers, of course. Soon after that, people started vanishing, my mom included. Is there any other proof to back up your mother's account? No, but
I can't see my mother lying about something like that. She only ever had the Samoshell's best interests at heart. My mother was the least selfish person I've ever known. She wanted to help everyone who suffered from the Chernobyl disaster in any way she could. She paid the ultimate price for her kind heart. Now, I have to find out why and make this right. I get it. Really. She sounds like an amazing lady. How can I help? I know it's a lot to ask, but I need to know what my mother saw in that lab. I need you to go to Lenin Square and get inside. There must be something there incriminating NAR. This will help your search for Tatiana as well. If she's in the zone, she must somehow be part of all of this. It won't be easy, but I'll definitely try. Ouais, bah pour y aller, je me ferai peut-être une combinaison full discrétion. A moment, please. Putain, il va tous me coller. To our she-wolf here. You don't want to go to Lenin Square. I don't think you're ready. Who knows what you'll be up against? I think I've proved myself quite capable, no? You can harness the power of Chernobylite, an impressive feat. But what if they find a way to disable it? Restez inflexible, rassure Olivier. You're probably right. What do you propose? I'll do it. With a broken arm? Besides, we have no idea what we'll find. It's very likely we'll need my scientific expertise to assess the situation. I'm not a complete imbecile, you know. I can tell the difference between a centrifuge and a... I don't know, kitchen robot? Of course you can, Olivier. Don't take this the wrong way. But I still think I should be the one to go. Aller ensemble, hein. Il a pas un masque et un skin de masque différent, lui. All right, Igor, what's next? Partir. On dirait qu'il... Ah ouais, lui aussi, il a un skin de masque. Machin et tout, il t'offre ton skin. Ouais, bon, ton skin, il pue, toi. Et elle je sais pas s'il a changé. Ah, bref. On va peut-être pas aller au labo tout de suite. Je vais me faire une petite combi, d'abord. Donc, largage de nourriture. Celui qui a le plus de chances de réussir, c'est le monsieur. Je vais l'envoyer. Chasse aux monstres. Ah bon, ils ont tous un pourcentage un petit peu pourri, donc pire des cas, je vais me faire la chasse aux monstres. 80% de réussir. Olivier a découvert que le nar avait envoyé une unité spéciale pour retrouver les vieux documents du KGB. Ah bon, tout ce qui concerne l'histoire, j'aimerais bien me le faire, quoi. Donc l'ermite, 75%. Michael vous demande à un de ses amis. Qui a contacté Nar, son nom, machin et tout. Je vais me faire la chasse aux monstres. Ils vont tous rester ici. On va partir à deux. Je vais buter les monstres. Et après, on va aller se faire une autre mission. Shashko a une brillante idée. Il peut confectionner des charges creuses, mais seront utiles lorsque je retournerai à la centrale. Pour cela, il a besoin de C4. Ça va attendre. On va peut-être faire Mikhail ou celle de, des documents, là. Olga m'a demandé de jeter un coup d'œil. On va peut-être faire les vieux documents. Donc, je vais partir là-dessus déjà. Voilà, merci bien. Commencez la mission. Et on se retrouvera après avec les autres. Ok, nous voici, nous voilà. On n'a même pas eu un petit mot d'encouragement de la part de Tatiana. Et pour chasser le monstre... Putain, j'aime pas du tout le skin. Je vais prendre mon pompe pour chasser le monstre. Alors, je sais pas du tout de quel côté c'est, par contre. Donc moi il faut que j'aille en bas. Mais il y a deux points d'intérêt. On va déjà aller à celui-ci. Et après on ira voir le second. Ok, mur. Si je me cale bien, je peux prendre ce qu'il y a à travers le mur. Donc je vais en profiter parce que je sais pas comment passer de l'autre côté. J'espère qu'il n'y aura pas de saloperie dans le coin par contre. A priori, il n'y a rien à cet étage. Il faudrait que j'aille au-dessus. Ok. Alors maintenant, on peut prendre les items à travers le plancher. C'est plutôt sympathique. C'est plutôt sympathique. Bah écoutez, voici, s'il n'y a plus rien. S'il n'y a plus rien, on va scanner vite fait. Ah si, voilà, il y a des trucs. Ah, il y a des trucs, Mazette. You're in a good mood today. Photo. I just got word from Fiodia.
My record is arriving today. What record? Talking Heads. I've got all the Talking Heads I need on Soviet National TV. Look at you, Igor. Seems you're developing a sense of humor. Well, it must be your sunny disposition rubbing off on me. Ok, une jolie petite photo de la dame. On sent bien ce gars reste au milieu, la photo. Ah, merci bien. Ah, donc, retour, parce que j'ai rien d'autre à faire à part zoomer ou dézoomer. Ah, merci bien. Ah, donc, il y a des trucs à prendre en bas. Bon, écoutez, j'ai bien fait de venir ici, au final, du moins de rescanner. Ah, c'est peut-être mon point, là. Putain, je suis sur mon point d'interrogation, les jeunes. Et je peux pas passer de l'autre côté, là. Putain, il y a un truc à faire dans cet immeuble. Hein. Au final, je suis venu, mais faut que je reste là. Je sais pas par où je suis en train de redescendre, là. Ah, je sais pas du tout où je vais, messieurs dames. Parce que c'est pas l'entrée que j'ai pris tout à l'heure. Ah, je vais choper ce qu'il y a dehors. Et je vais essayer de trouver où c'est exactement. Ah, parce que je suis pas rentré par là, moi. Vu qu'il y a des trucs qui se prennent par terre, là. Il y a des trucs qui se prennent. Ça se trouve, je viens de l'autre côté. Peut-être reprendre ça aussi, ce serait pas mal. Donc, ouais, c'est de l'autre côté. C'est au-dessus de l'autre entrée. Je vais essayer d'y retourner. Et de voir ce que c'est exactement. S'il y a autre chose que, justement, cette petite photo. Ah, est-ce que ce serait par là, messieurs, dames? Ah, je suis en plein dessus, là. Ah, putain, c'est la... Est-ce que ce serait la poupée avec la superbe tête de citrouille? Et je peux pas interagir avec. Si je t'éclaire, ça fait quoi? Ok. Ah, bah, il y a rien d'autre. Il fallait choper ou trouver la poupée. Bon, elle a pas bougé. Elle bouge pas. Je vais redescendre par là. Et non, j'aurais peut-être même pu redescendre de l'autre côté en fait. Non, faut que je fonce ici. Faut que je fonce ici. Je vais peut-être repartir de l'autre côté. Ce sera bien mieux. Et les escaliers, c'est par là. Ok, les jeunes. Ça craint du cul. Il y a un peu de radiation dans le coin, mais je suis obligé de traverser sur le pont. J'espère que ça va le faire. Ah, par contre, ce qui est chiant, c'est que je viens de scanner de l'autre côté du pont. Ah, merci bien. On va peut-être passer par ici. Et on est à 60 mètres de notre destination. Ah, vas-y, prends le pain, là. Nickel, j'ai même pas besoin de monter. Je sais pas à quoi c'est dû ces bugs, parce qu'avant il me semblait pas que ça le faisait. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai mis tous les DLC, mais c'est parfait, hein. Vas-y, passe par dessus là, ramasse. On est d'accord qu'il n'y a rien d'autre. Il y aurait peut-être un truc là-bas. Ah, putain, par contre là je peux pas le prendre, je suis obligé de monter. Ok, les murs, faut que je remonte. Parce qu'il y a des trucs là-haut. Il y a un truc vert à gauler. Et je sais pas si c'est mon... Oh, c'est mon point. Get up from the couch and let's go for a walk, Igor. Oh, but it's so cold outside. And it's not even winter yet. Ah, oh, come on, Professor Kumunik. Exercise is good for you. All right, all right. Don't sulk. Ah, de bouger, I promise I'll knit you a warmer sweater. Really? I'll hold you to that, you know. Ouais. Ok. Bah écoutez, ouais, c'était mon... Ah non, putain, c'est même pas mon deuxième plan, quoi. Putain, j'ai retrouvé une photo ici, alors que c'est pas du tout en rapport avec ce que moi, je venais chercher, quoi. Là, il y a un œuf de Pâques. Je peux pas le prendre. C'est con, je peux pas ramasser les œufs de Pâques.
Ah putain, s'il y a des photos qui sont disséminées un peu partout, c'est un peu chelou votre truc là. C'est un peu chelou, je sais pas si c'est un DLC ou si ça fait partie de l'histoire là, ou les deux en même temps. Donc moi, la chasse aux monstres, c'est de ce côté. Mais il faudrait que j'arrive à allonger. Putain, faudrait que j'arrive à allonger par là. Et je suis pas sûr que ça puisse le faire. Ok, je vais essayer de trouver un moyen de sortir. Peut-être par là. Ok, on est ressorti. Par contre, c'est chiant, c'est qu'il faut que je reprenne genre un pont. Et que j'arrive à gauler le pont là. Ah, merci bien. Ah putain, c'est chaud hein. Ah ouais, j'ai pas aimé là. Ah, j'ai pas aimé, mais alors pas du tout. Et ce serait tout droit par ici. Oula putain, ça m'a fait flipper. Putain, faut que je me dépêche. Ça commence à partir en cacahuète là. Ah, ça commence à partir en cacahuète, les jeunes. Ah, j'ai peut-être même pas avoir le temps de faire ma chasse au monstre. Ah putain, je suis où? Je sais pas si c'est la poupée là. Utiliser. Putain, faut vite que j'aille buter mon monstre. Ah ouais. Ok. Ah ok, les jeunes. Donc moi je vais foncer là-bas. Et on va le buter rapidos. Rapidos. Je vais pas m'arrêter pour looter tout ce que je trouve maintenant. Avec Cassos Bamos dans la radiation. Ok, ça picote. Ah putain, ça picote. Faut que je fasse le tour du bâtiment. Et je suis même pas sûr que par là ça le fasse. Et je vais vite couper par ici. Ah putain, faut que je trouve une sortie, c'est par là. Ok, t'es où le monstre? Elle est où la saloperie? Ah, elle est où? Saloperie. Ah, merci bien. Ok. Un petit coup de scan, les jeunes. Un petit coup de scan. Je vais prendre ça. Alors, choper ce qu'il y a là-bas dans le bâtiment, ça va être un peu compliqué. Et il n'y a rien d'autre à gauler là dans le coin. Ah, on est cassos. Ok, nous voici, nous voilà. Et j'ai eu un petit message de Tatiana qui disait genre il est là. Je sais pas à quoi ça correspondait. C'était genre le stalker qui s'était pointé au coup aux caisses. Ah donc en bonne santé pour tout le monde, stable pour tout le monde. Récompense 4 morceaux de pain. Ouais, allez à donation de nourriture. Même ration qu'Igor. Ah merci bien, tout le monde sera content. Oui, merci. J'ai pris un coup au moral, moi. Un petit coup de binous, s'il vous plaît. Au pire des cas, j'irai en chercher un après. Voilà, parfait. Par contre, maintenant, il faut que je prenne un truc pour le... Voilà, merci. Est-ce que vous avez quelque chose pour moi, ici? Divisé. Je vais juste prendre un petit flacon. Cette bouteille-là, je vais l'embarquer. Je vais déposer mes petites plantes ici. Foutre mon pain avec, tant qu'on y est. Je vais vite aller faire dodo et on va se retrouver pour une nouvelle journée. Je sais même pas si des plaques de Kevlar. Ouais, j'ai même pas de plaques de Kevlar pour ma petite armure. Je vais au moins me faire ça, ce serait pas mal.
Ouais, vous savez quoi, je vais en faire 6 comme ça, ce sera fait. Là, on est bon. Petite sauvegarde effectuée. J'ai pas utilisé de kit, donc il me reste toujours. Peut-être m'en faire un. Voilà, comme ça, j'en aurai 3. Allez, pas me retrouver coincé. Donc là, on est bon. Niveau santé, on est bon aussi. Peut-être qu'avant d'aller faire dodo, je peux peut-être aller récupérer tout ce qu'il y a là. Ce serait pas mal que je perde pas une fournée. Ah, merci bien. Hop, hop, hop. On va vérifier tous les petits bacs à légumes. On est good. Ça, les potirons, je peux pas les prendre. Les champis, c'est fait. Donc, au dodo. Ok. 16e jour. Le refuge, au matin. On va aller voir s'ils veulent nous causer. Et puis, on va aller faire la mission d'Igor. Putain, ils en ont même foutu une là-dedans, quoi. Déjà, il n'y a pas de message radio. Ils veulent pas me causer. Donc, assigné. Ouais, quartier des résidentiels de Priach. Putain, encore une chasse aux monstres. Vous déconnez ou quoi? Putain, je viens d'en faire une. Vas-y, je vais l'envoyer lui, là. Ah, 80%. On va envoyer Sashko. On va envoyer Sashko. Ermite à Mikael. Demande à un de ses amis. Olivier de Nard. Et là, c'est Sashko. Et là, c'est Olga. Donc, nous, on va aller faire celle-ci. Olivier a découvert que le NAR avait envoyé une unité spéciale pour retrouver de vieux documents du KGB. Toutes les données que convoite le NAR m'intéresseront certainement. Grâce à elles, je pourrais peut-être dénicher des informations sur la disparition de Tatiana. Écoutez, c'est parti. Les autres, ils vont rester au bercail. Et puis, ben, ouais, ben, écoutez, go, hein. I remember the young pioneer camp. Who would have thought that there were secret Soviet bunkers scattered around? Olivier tries hard to be friends with you, but is it genuine? He's a mercenary after all. Can you afford his brand of loyalty? Ok. Donc on est ici. On est ici. J'ai un point juste à côté là et j'ai rien au fond. Je vais aller gauler les deux. Je vais mettre un marqueur entre les deux. Ensuite, on redescendra par là et on ira direct à notre mission. Ça devrait être assez rapide. Oh putain, dégage. Oh putain, elle m'a mis du crachat en pleine tronche direct, quoi. Oh, je vais te bazooker, peut-être pas avec ça. Oh, ça, ça va pas marcher non plus. Oh, sauf que là, j'ai fait du bruit. C'est fort aimable de ta part. C'est fort aimable. Je suis trop content d'avoir fait un boucan pas possible. Et ce qui est chiant, c'est que mon fusil snipe au final. Ouais, putain, je vais peut-être virer les medkits là. 4. Putain, j'ai 2 guns. Pourquoi j'ai un gun en 8 là? J'ai un gun en 8. À moins qu'il y ait une erreur. Ouais, je vais le mettre en 8. On verra bien ce que ça va donner. Bon, ça va être un peu chiant d'aller chercher là-bas. Ah putain, j'ai déjà... Ah non, si, ouf, ça m'a fait peur. J'ai cru que j'avais déjà plus mon shield. Ok. Peut-être prendre la bonne arme. Ce serait pas mal. Il y a un truc à lire. Putain, il y a encore des photos, quoi. Let's just go, please. Leave? But where would we go? Anywhere. America or Western Europe? With your brilliance and my charm, we could live any place we want. Well, that's a dangerous fantasy, Tanya. The kind that could get us arrested. You know that. Our life is here now. This life, as you call it, is going to be the death of us one day. Ok. Ah, ma Z s'est tendue, hein. Ok, Mur, je me demande si on n'est pas dans la zone où on avait tué la première fois le mari d'Olga. Et après, où on l'a gentiment ramené à la vie en changeant notre timeline. Mais ça m'a l'air d'être tout ça.
Et je vais essayer de m'infiltrer dedans en espérant que je tombe pas sur quelqu'un. Sachant qu'il y a des araignées là. Qui sortent des murs. Il va falloir que je me méfie, que je fasse gaffe. Et là, il n'y a rien d'autre. Donc je vais passer gentiment par ici. Ok, les murs, je m'en souviens là. On était parti se promener à l'intérieur. J'ai entendu du bruit. Faut que je fasse gaffe. Ok, je vais faire gaffe. Je vois si je peux pas rentrer dans le bâtiment. Ou peut-être monter au-dessus. Il y a quelqu'un qui pleurniche par là. Non, je sais pas si je peux monter en haut par là, moi. Peut-être prendre l'escalier, ce serait peut-être plus simple. Puis on va essayer de voir qui c'est qui a... qui chouinasse. Là, il y aurait des trucs en dessous. Putain, je suis en train de m'égarer, quoi. En plus, j'ai deux points dans le coin. Ah, j'ai deux points, petit bilan sur la map. Déjà, j'en ai loupé un qui était genre ici. À moins que ce soit celui-là que j'ai... Ouais, si, j'ai... j'ai vu celui-là. Est-ce que c'est dans le bâtiment où je suis? Ouais. Donc c'est le premier où je me trouve. Ok. Je vais voir en rentrant à l'intérieur s'il n'y a pas un truc. Ça a l'air de venir d'en bas. Hein. Ah. Peut-être mettre ça. Ok, alors avant je pouvais pas crocheter, je vais le faire, lire. Christ, what kind of experiments have the KGB been conducting? Is the NAR trying to continue their work? Ok. Au point du sujet, son âge, son état général doivent être pris en compte avant l'administration des injections. Délai minimum maximum entre la première injection et la dose de radiation 2 et 6 heures. Machin, machin, ok, préparation, reste et tout, voilà. Ouais, j'ai atteint niveau 6, j'ai plein de points de compétences, on pourra apprendre d'autres trucs avec nos larrons. Peut-être porter plus de trucs et ramener plus de ressources, ce serait pas mal en soi. Donc là, il n'y a rien. Une petite pile, elle va être gâchée, donc ça, je vais l'éteindre. En plus, je viens de foutre mon masque, mais c'est surtout de l'autre côté que ça se passe. Parlez. Avec son masque clown. Demandez ce qui s'est passé. You seem to be in a bit of a predicament, friend. You think it's funny? A chunk of the ceiling collapsed and knocked me out. Oh, I can't move. I alerted my squad. They should be here any minute. Well, good luck with that. Wait, 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 wait. Can you spare a gas mask filter? Hard to breathe in here, eh? Yes. My filter got fucked up when the ceiling collapsed. I could use an extra one, you know? Just in case it takes the rescue party a while to get here. Donner un filtre, le laisser. Il n'y a rien que je puisse faire pour lui. Ah putain, je sais pas si ça va avoir une conséquence ou pas. Ouais, je peux pas le laisser mourir comme ça. Enfin, même si c'est quelqu'un du Nord, bon, c'est peut-être pas non plus tous des salauds, quoi. Donc, ouais, c'est parti. Here you go. Ouais. Il me reste 8. Enfin, je peux lui mettre une balle dans la tête, hein. Ah, je vais le laisser là, de toute façon, ils pourront peut-être rien faire pour lui. Ok, Cassos. Ah, Cassos, Bamos. Ah, par contre, moi, je peux peut-être le retirer. Voilà, merci bien. Et donc, si je viens là... Putain, j'ai plus aucun point, les jeunes.
Ça, c'est celui que j'ai fait. Et j'en avais un qui était par là. Alors, est-ce que c'était pas lui? Mais j'ai pas vu le deuxième. Ah putain, c'est chaud d'en avoir deux au même endroit. Et je vais voir s'il n'y a pas une photo ou un truc comme ça de la demoiselle. Et après, je vais repartir. Hein. À moins que les deux points, c'était et le document que je pouvais pas prendre depuis un certain temps, plus le type. Ça se trouve, c'est ça. Donc j'ai rien à chercher en fait. Puisque ça fait 15 plombes que l'autre document, je pouvais pas le prendre. Je pense que c'est ça. Hein. De toute façon, au pire des cas, si je l'ai pas, si j'ai pas interagi avec, il repopera peut-être. Donc nous, maintenant que ça c'est fait, on va descendre ici. Et je vais partir bah, tout droit par là. Je vais essayer de couper par ici, même si je peux. En plus, c'est une petite plante, alors autant la prendre. Je vais peut-être pas passer par là au final. Parce que là, ça me picote le nez. Là. Olé. Ah, il y a un truc chelou, les jeunes. Ah bah, je suis sur mon point. Là, j'ai récupéré mon masque. Et c'est tout? Pas interagir avec la radio. C'est quoi ce délire, les jeunes? Ok, il fallait que je tombe sur le type bizarroïde. Ah, il y en a d'autres là. Ah, il y en a un là. Il y en a un là. Ok, merci les jeunes. Putain, j'avais pas fait gaffe. Il y en a plusieurs en fait. Ah, il y en a plusieurs. Alors, moi, je vais essayer de repasser. C'est chiant, je suis... Oh putain. Ça commence. Ok. Oh putain. Documents, memorandums, and reports are scheduled for immediate transfer to secure storage in bunker 007. It's dated April of 86. Looks like they moved all the important records after the Chernobyl disaster. We can find the bunker later. Just keep searching and see what else we can dig up. Ouais, les jeunes. Lire. Ok, ça on l'avait déjà lu. Tu peux passer par la fenêtre, s'il te plaît? Putain, il y aurait une espèce de pomme ou je sais pas quoi, là. Tu peux pas la prendre. Ah, ouais. Ça chie un peu du boudin. Et c'est chiant, je peux pas me percher par-dessus. Il serait posé juste ici. Je vois pas comment là, il peut me voir. Ah, lui, oui, je veux bien. Si je fais un peu trop de bruit, il peut me repérer. Moi... J'ai un truc à prendre dans le coin. Un combat, je m'en ouf. Ok, j'ai repéré mon armoire. Mais 5. Ok, j'ai pris ça là. Ok. Vas-y vite. J'ai pas trop le temps, faut que j'aille fouiller l'armoire là. Faut que j'aille fouiller l'armoire, les jeunes. Ouais, vas-y bien et je te plombe. Ah putain, les jeunes. Ne faites pas trop yesh là. Putain, j'arrive pas à savoir par où faut que je passe là. Il est où l'autre trou de balle là? Y'a moyen que je puisse rentrer. Ouais. Oh, putain, merde. Je pouvais pas lui tirer dessus là. Ah, je ne pouvais point lui. Oh, mais tire! «
putain, ils se foutent de ma gueule là. Oh, ils se foutent de ma gueule. Oh putain, enfoiré là. Ah, enfoiré, putain. Ok, là il peut pas me tirer dessus. Là faut que je bouge. Attends, je vais le défoncer. Ah ouais, enfoiré là. Ah, ça chie du cul. Bon, les jeunes là. 8. Niveau vie. Ça va encore. J'ai plus de santé mentale, mais ça va. Allez. Un petit coup de. Un petit coup d'alcool. Vas-y, bouge pas, man. Il est là. Merci, chef. Ok, pour votre stuff, merci, merci tout le monde. Bon, a priori, je suis pas en combat, donc voilà, ça, je vais le recharger vite fait. Merci bien, Legion. Je vais mettre un petit coup de scan. Ah, c'était un peu tendu avec l'autre zinzouin, là. Ah, putain, c'était quelque chose, ce combat, Legion, hein. Rester sur nos gardes quand même. On va prendre tout ça. Bon, maintenant je peux fouiller tranquillou. Je sais même pas si ça je l'ai maté au final. J'ai quand même à l'air zioté pour voir. Ah, tout affiché. Ouais, on l'a peut-être déjà lu. Bunker 007 à la James Bond. Et je sais même pas si j'ai accompli ma mission ou pas au final. Là je vais aller fouiller là-bas. A priori ils sont tous scannés. Donc je devrais être tranquille pour fouiller les lieux. On va bien voir si on finit par trouver. Ouais, là, il y a l'alcool. Merci, je viens d'en m'en siffler une bouteille, donc c'est cool. Ouais, prends la plante. Ah bah écoutez, je vais scruter la zone. Et si jamais je vois où je trouve ce qu'on est venu chercher. Pour l'instant, il faut que j'aille là-bas, maintenant. Ah bah écoutez, on va s'y rendre. Ok, les murs, on est à 26 mètres. Il y a pas mal de bazar à ramasser, je vais le prendre. On va faire gaffe à ce qu'il n'y ait pas de soldats dans le coin. Et là, ce serait genre en dessous. Même là, hein. Ah putain, ça veut pas que je passe. Je sais pas s'il faut que je descende dans un bunker. Peut-être là. Ah, là où il y aura un truc, je vais le prendre et on descend. Ah, comme ça, j'aurais bien cleané toute la zone. Quoique. Putain, il y en a partout. On sait que l'autre, on l'a tué et qu'on a du temps, mais bon. J'aurais pas trop non plus traîné trop longtemps. Enfin, si je me retape une deuxième dose au niveau des soins. Ah putain, ça va pas le faire. Donc, je me tape cette saloperie là. Ah putain, enfoiré, va. Enfoiré. On va repartir, moi. Putain, niveau munitions, c'est plus trop ça. Et maintenant, faut que je retrouve l'escalier. Oh, putain, il y a des trucs à prendre quand même en haut. Ok, je me dépêche d'y aller, on descend. Ok.
Ok, on a bien fait de venir. Where are you going, Tanya? Look at this place, Igor. It's so peaceful. Empty, but peaceful. Not a soul in sight. That's okay with me. I'm not really a people person. I know. I wonder how you're going to get through our wedding with all those guests. How many guests? Don't worry, silly. You'll be fine. Ok. Putain, c'est de plus en plus chelou quand même. Oh, putain, merde, déjà, ne pouvez pas me faire monter par ici. C'est chiant qu'on puisse pas attraper les rebords et se percher. Putain, tape là! Allez vous faire foutre. Je l'ai eu? Je l'ai eu? Putain, mais tu l'as là. Putain, tu l'as. De ma gueule, hein. Je suis mort, il se passe quoi là? Putain. Mais ouais, je pouvais pas pointer mon arme et tirer, quoi. Putain, j'ai plus de Kevlar, déjà. Casse-couille, ces créatures, putain. Et le fait de pas pouvoir taper, là... Putain, pointe l'arme et tire. C'est quoi, je suis trop lourd? J'ai l'impression de marcher au ralenti, les jeunes. J'ai l'impression de marcher au ralenti. Me faire cracher dessus encore. Oh putain, vas-y, charge. Putain de merde. Ouais, ça va encore, j'ai de la vie. Mais putain, qu'est-ce qu'elle me saoule, ces araignées. Ok, me revoici, me revoilà à l'entrée. Je sais pas si c'est bien par ici qu'il faut aller, mais on verra bien. De toute façon, j'ai pas trop le choix, ouais, y'a que par là. Y'a que par là pour le moment. Le point. Ouais, si, y'a des chances que ce soit soit dans la flotte au-dessus, soit ici. You've come a long way to die, N.A.R. rat, or whoever you are. How did it go? Kill them all? The great rat catcher in the sky will know his own. A happy Unabomber never considered someone might disarm his traps. No fireworks for you, nutjob. Okay. Lire les documents. Putain, c'est trop long, les jeunes. Je vous laisse lire, hein, si vous en avez le cœur. Ah, mais moi, non, pas trop. Maybe I should rearm the traps. What? Why? Whoever's after us will most likely come here looking for clues. Wouldn't it be prudent to... To what? Use this opportunity to try and thin the NAR ranks? Exactly. Look, I've done my fair share of killing, but I don't like that plan at all. God knows who might wander down here. What if a civilian walks in one of the traps? Réarmer les pièges, ne pas réarmer les pièges. Je ne vais pas exposer des civils à une mort horrible, même si ces pièges auraient pu me permettre de neutraliser des hommes de main du NAR. Ces pièges pourraient être utiles, des unités du NAR les déclencheront peut-être. You're right, it's too risky. I can't chance killing some Samoshell who went exploring. Good. I'm glad you agree. You're finally starting to think like a military man. Ok, c'est cool. Bah, comme ça, on se le mettra pas à dos. Piège à rat, ok. Peut-être... j'ai plus de loupiote. Ok, les jeunes. Elle remarche.
Bah écoutez, je vais finir de scanner la... et de fouiller la zone. Il y aurait des trucs là-bas derrière. Je sais pas si c'est par ici. Par ici, on va se crocheter ça. Il y a un pistolet. On va le ramasser. Et il y a des munitions. Fabriquer. Ouais, je peux améliorer le pétard, mais c'est pas la peine. Et par là. Je sais pas si c'est un spot de Tchernobylite là-haut, mais on va essayer d'y aller après. C'est derrière, au-dessus. Ok. Ok, les murs, je sais pas si c'est ici qu'il faut faire péter la... la source. On va le faire. Ouais, merci bien. Ouais, je sais pas ce que c'est ce que j'avais vu. En tout cas, c'est fait. Ah, là, il y aurait des petites caisses. Ah, j'ai failli passer à côté. Merci bien. Ah bah écoutez, voilà, je vais me téléporter. Je suppose que là, ce qu'on voit, c'est le document que j'ai lu. Ouais, ça, c'est sûrement le document qu'on a pris en bas. Et vu qu'il n'y a plus rien, bah écoutez, on va quitter les lieux. Hein. Je vais remettre un coup de scan, mais pas par là, parce que ça commence à me picoter. Ah ouais, il n'y a plus rien. Bah écoutez, je vais me téléporter à la casa. Et puis on va faire le bilan peut-être avec Olivier et avec tout le monde. Ah donc c'est parti. Et je suis même pas allé voir s'il y a un truc à l'intérieur là. A priori je peux même pas rentrer. Ok, bon bref. Chassons ce bamos. Ok, on est de retour à la casa. Petit bilan messieurs dames. Échec, putain il a récupéré qu'un seul truc. Chasse aux monstres dans les quartiers machin. Échec, putain l'autre il m'a ramené juste un soin quoi. Ah putain, c'est pas possible. Putain, pour les nourrir, ça va être compliqué, quoi. Compagnon blessé gravement lors d'une mission, cela impacte sa santé et son moral. Compagnon s'est blessé gravement, machin, les autres risquent, machin et compagnie. Peut-être que lui, je vais lui mettre ça. Et je vais leur mettre ça. Les autres risquent d'être en colère car votre acolyte a eu droit à une double ration. Compagnon s'est blessé gravement lors d'une mission. Cela a impacté son état machin. Ok. On va faire ça comme ça. Sur des cas, je vais faire comme eux pour les soutenir. Et les autres... les autres, ils sont restés là. Au pire des cas, on va tous se mettre ici. Hein. Je vais pas leur mettre une double ration parce qu'ils ont fait n'importe quoi. Moi, c'est si je viens là. Que ça va pas être content. Mais écoute, on va faire ça comme ça. Même ration pour tout le monde. Accepté. Voilà, parfait. Parfait, parfait, messieurs, dames. Bah écoutez, voilà. On n'a pas à leur causer a priori. J'ai pas d'appel radio non plus. Je vais écueillir mes petites plantes et puis ce sera fait. En tout cas, j'espère que cet épisode, ma foi, vous aura plu. Si tel cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Oh putain, il y a un commentaire. Je me suis coincé, je crois. Donc j'arrive à sortir par là. Putain, faut que j'arrive à sortir quelque part parce que sinon ça va être la merdasse. Hein, ça commence à me gonfler qu'il n'arrive pas à sauter par-dessus. Et puis si vous voulez pas louper la suite de nos aventures, eh bien n'hésitez pas à vous abonner ainsi que d'activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tout cela. On ira apprendre quelques petits trucs la prochaine fois avec nos compagnons histoire de pouvoir récolter un peu plus de ressources. Sur ce, moi je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao tout le monde et survivez bien. Il me faut simplement quelqu'un. Enlève le doigt. Les doigts, les doigts, les doigts. Allez, allez, il me faut une personne, par exemple, quelqu'un qui n'a jamais trouvé l'amour, qui pourrait regarder la mort pile poil dans l'œil. Un authentique héros. Vite, avant de retrouver l'usage de notre cerveau.